fusionné. Donc nous ne sommes plus qu'une seule entité. Et c'est pas Loudun qui va offrir le vin, c'est Loudun à Veigné. Veigné participera tout autant au vin d'honneur tout à l'heure. Alors je vous remercie beaucoup et je vous félicite de cette initiative de rassemblement. Aujourd'hui, au moment où justement l'esprit de famille s'échappe, où l'esprit de famille s'échappe et où les valeurs essentielles qui nous ont été enseignées peut-être par Madame Perrault et d'autres sont en train de nous échapper, eh bien je crois que c'est très important pour vous que vous puissiez vous retrouver aujourd'hui et enfin vous rencontrer à nouveau. Monsieur le Président Bonnery, nous, voyez-vous, il nous a quittés au niveau du conseil municipal il y a 2 ans maintenant. Et pour nous, c'est un challenge très très important de devoir continuer ce qu'il a donc fait si merveilleusement pendant 40 ans et parfois 50 ans, entre 40 et 50 ans de vie publique. Ça donc nous oblige à une exigence et faut que vous sachiez les uns les autres, faut que vous soyez humbles vis-à-vis des gens qui continuent comme ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent, parce que fatalement, nous n'avons pas la même carrure, la même surface, et nous avons des obligations qui sont nées de sa capacité à avoir transformé le Loudunais au cours de ses 50 ans. Alors, moi, je vous demande toute votre mansuétude pour ça. Nous faisons au mieux, comme nous pouvons, avec le meilleur esprit possible, en fonction de l'objectif.